Jeanne, c'est à toi que je parle. Savais-tu que la production de gaz à effet de serre que l'industrie bovine produit est plus grande que toutes les automobiles réunies? À quand la vache hybride? Bon, là, c'est peut-être de l'humour trop intelligent pour Musique Plus, là. Laisse faire, je vais en garder pour Musimax, là. Hey! Hi! Salut! Salut! Je cherche mon chien. Ouais, pas de chien. Ah, ben, je l'ai perdu, il était dans la cour en arrière. Moi, je suis le voisin. Ah, non, je veux pas. Je veux pas vu de chien. Ben, c'est un mini collé. C'est un petit coup. Ouais, non, j'ai pas vu de chien. C'est un chien qui parle. Ah, ben là, c'est pas l'avertir de tous les chiens qui parlent, tu sais. On finirait plus. Ah, mais il y a l'accent du bout, là. Ça. Non. Ça me dit rien. OK. Maurice, es-tu là? Y a pas de Maurice ici. Janine? Non, ben, c'est moi. C'est moi le nouveau propriétaire. Ah ouais? C'est... Pas vu de déménagement, moi aussi. J'ai pas. T'as-tu. Ouais, non, on a fait ça bien vite, là. OK. C'est beau? Mais t'as pas vu de chien. T'as-tu un chien, toi? Non, pas de chien. T'as pas de chien? Non. T'es-tu en train d'écouter la scie? Ouais, c'est ça, c'est à la TV. Hey, regarde, ouais. Y a une femme tout nue, là. Ouais, d'accord. Tu me sens là, j'ai une envie de pisser. Envie de pisser. Qu'est-ce que tu... Voyons donc! Qu'est-ce que tu fais, toi, là? C'est combien ça coûte, ça, cette tape-là? Pas le bat, non! Hé, les grands! Hé! Oh! Hé! 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 Ça, c'est drôle, là, t'as... C'est comme ça!
OK. OK, c'est beau. Bon, ben regarde, nous autres, il faut qu'on aille dîner parce que ton petite journée de tourneur à faire, une spéciale de Noël à tourner, mais inquiète-toi pas, là, je t'oublie pas, on revient tout de suite après. OK. Hein? Bye! Quoi? Je vous aime, là. Ouais, mais maintenant, là, maintenant, j'ai encore envie de piscine. Hey, il va pas chialer de même tout le long, là. Hey! Quoi? Tu sais, là, pas gueuler de même tout le long, là. Comme tu vois pas le... Non, pas le bas, non. Non, pas le cas! Il va trouver le temps moins long, là. Hey, le gars! Bien! Je vais dire que je t'ai trop de cul après ça. Hey, hey, hey! J'ai reçu d'autres courriels. Alors, c'est très cher, gars frustré. J'ai de la misère avec mes syndiqués qui me font la vie dure. Je me demande qu'est-ce que je pourrais bien faire. Un haut dirigeant du Mont Hartford qui préfère garder l'anonymat, qui ne veut pas que je le nomme. Très cher gestionnaire du Mont Hartford. Moi, qu'est-ce que je ferais à ta place? Si je t'ai connissé à l'encontre des astuces de tapettes de syndiqués de colis, ils vont tellement chier dans le culotte, perdre le job, ils vont les brailler au gouvernement, est-ce qu'ils n'auraient pas de job, gang de tapettes de colis? Pis comme c'est le comté de Reed, ta mais ils vont tout vous donner, ils vont sortir le gros cash, ils vont faire, ah mais non, c'est très très nocif pour l'économie de la région, pis ils vont rentrer travailler, c'est des conditions de travail qui n'auraient jamais accepté les minables de tapettes de colis. Je passe pas à ta place, c'est ça que je ferais. Marie-Mé! Oui, c'est moi! Frustré. Oui! C'est ça, j'ai fait un gros party pour Noël, tu sais, dans ma nouvelle maison, pour inaugurer ma nouvelle maison, puis je voulais t'inviter, tu sais. Ah, tu es plein de vedettes, comme... Je voudrais pas que tu t'excites trop, mais il y a des bonnes chances que je sois là. Ouais. Ouais, non, puis oui, il va y avoir d'autres mondes, comme il y a des bonnes chances que toi, tu sois là. Il y avait d'autres mondes aussi. Comme le beau Marc-André Grondin va sûrement être là. Oui. Mm-hmm. Ah non, il va avoir Marie-Hélène Thibert, mais inquiète-toi pas, elle ne veillera pas. Jeannine Souteau, mais elle va enlever ses dents. Fait que je peux compter sur toi. Allô? Allô? Une de plus. Salut les petits cabochons, c'est maintenant l'heure du conte de Noël. Il y avait un monsieur Benedict Scrooge qui exploitait le monde à longueur d'année. Il les exploitait, il les tordait comme des citrons, et spécialement la journée de Noël, non! Il ne voulait pas leur donner des journées de congé pour aller à Noël. Il ne comprenait pas pourquoi que le monde voulait fêter en famille à Noël. Alors, il s'est ramassé tout seul la journée de Noël. Oui, tout seul, car personne ne l'aimait. Mais comme c'était un monsieur très, très riche, il s'est collé trois putains, puis il a eu du sexe toute la nuit, puis il a trippé. Morale de cette histoire, c'est que quand tu as de l'argent, du sexe et de l'amour, t'en as anyway. On va appeler mon grand chum, Marc-André Gros.